Hello tout le monde, salut, bonjour, bon samedi, bon dimanche, bon 2021. On est ici pour une vidéo débrief du projet Scoring Training que j'ai lancé, le défi que je me suis lancé en 2020. Enfin, l'idée c'était d'essayer d'imiter des styles typiques de compositeurs, notamment John Williams, Howard Shore, Don Davis pour imiter le style de la saga Matrix, etc. Petit bilan déjà personnel, puis après on passera au bilan des retours des gens, de vos retours. Personnellement déjà, j'estime honnêtement que ça a plutôt bien marché, quoi. Je suis très content d'avoir réussi à atteindre ce niveau, ce résultat, enfin ces résultats. Il y a des hauts et des bas, c'est loin d'être parfait évidemment, je ne suis pas ces compositeurs-là, comme je l'avais dit dans les intros. Honnêtement, ça va pour un mec qui a pas appris la musique, qui a juste fait qu'écouter de la musique de film et qui a essayé de reproduire un petit peu les styles sans copier. Ouais, je suis content, ouais, franchement. En plus de ça, niveau technique d'orchestration, je trouve que ça m'a fait progresser. Et puis en plus de ça, en termes d'idées de composition et puis de rendu virtuel, bah, même si les gens apparemment sont pas tous d'accord, je trouve que je fais beaucoup mieux qu'avant, et donc moi j'en suis très content. Les bilans des gens maintenant d'après les commentaires, globalement c'était toujours la même chose. Alors je suis très heureux parce que pour moi même les gens me confirment que le challenge est plutôt réussi, le défi est plutôt relevé, puisque dans l'ensemble il y a eu très peu de commentaires qui disaient que le style des compositeurs imités n'était pas vraiment bien retranscrit. Il y avait quelques commentaires de gens qui trouvaient que ça sonnait pas très Williams, etc. Mais bon, dans l'ensemble, ils ont reconnu les pattes, les gimmicks des compositeurs, donc je suis trop content. Beaucoup de commentaires disaient que ils auraient vu autre chose plutôt que ces choix musicaux. Et puis l'autre majorité des commentaires, c'était surtout des gens qui trouvaient que, je suis plutôt d'accord dans l'ensemble, que les musiques collaient pas forcément tout le temps aux scènes, ou tout le temps à chaque plan. Et là, il y a deux choses. Premièrement, il y a évidemment mes choix musicaux. Et là, ça va être simple. C'est juste que mon objectif premier, c'était, et ça a toujours été, d'imiter au mieux les compositeurs et non de coller au mieux à la scène. La scène, c'était un support, vraiment un support. J'ai essayé de l'expliquer dans ma vidéo d'anniversaire, mais pas été très clair apparemment. C'était un support qui me permettait de faire une musique à l'image, mais je voulais pas coller au mieux à la scène. Si la scène était très dramatique, j'allais pas forcément faire un truc aussi dramatique dans le jeu, par exemple comme pour Le Seigneur des Anneaux, j'imitais pas forcément la bataille finale. On m'a dit par exemple de mettre des chœurs beaucoup plus puissants, etc. Oui, on aurait pu, j'y ai pas forcément pensé non plus, mais en même temps, voilà, j'avais juste en tête d'essayer d'imiter Howard Shore au mieux, ou alors Don Davis, etc. Et puis la deuxième chose, c'est que, évidemment, le style propre du compositeur ne matchait pas forcément avec la scène d'Avengers, forcément. Le meilleur exemple, je pense, enfin les deux meilleurs exemples, c'est le style Seigneur des Anneaux, avec une musique très, très ample, très, très étirée, qui colle à un montage lent. Alors que là, dans Avengers, c'était du montage cut hyper rapide, hyper dynamique, et forcément, une musique comme ça ne marche pas trop avec. On m'a reproché aussi un manque de contraste, en général, dans les musiques. Ouais, je suis assez d'accord. Pour ma défense, j'essayais de faire un condensé au maximum des trucs pour essayer de rappeler ces styles de compositeurs. Donc ouais, du coup, ça manque de nuances, et etc. Voilà. Donc, ok. L'autre exemple de musique qui collait pas trop à la scène, c'est le style de Danny Elfman, forcément. Le style Danny Elfman, un peu Batman, un peu action, ça fait trop étrange et surréaliste, fantaisiste pour Avengers. Mais voilà, encore une fois, il fallait essayer d'oublier que c'était Avengers et juste d'avoir une scène d'un film avec une musique originale. Le but, c'était de créer juste une musique originale. J'aurais pu le faire sans support, mais sans support, créer une musique à l'image sans support, c'est quand même bizarre, hein, on en convient. Donc j'ai utilisé un support visuel et j'ai composé une musique là-dessus. Et l'intérêt, c'était de comparer avec les mêmes scènes, les mêmes points de synchro, les mêmes ambiances, action, puis après un peu plus dramatique, etc. Donc la même scène à chaque fois. J'aurais pu prendre autre chose qu'Avengers. Bon, il y en a qui ont réagi sur Avengers. C'était pas ça le but. Mais bon, voilà. Et après, dans l'ensemble, je sais pas, les musiques, je sais pas si vous les avez vraiment appréciées. Moi, dans mon bilan personnel, je suis vraiment fan. C'est bizarre de dire que je suis fan d'une musique que j'ai fait moi-même, mais quand même, j'ai réussi à pondre un truc assez complexe pour Williams et j'en suis extrêmement fier. Vous verrez la partition quand même, parce qu'on n'entend pas tout dans le résultat final, mais il y a plein de choses. Donc Williams, je trouve qu'il y a une vraie énergie et surtout, niveau orchestration, je me suis donné, quoi, ça a été le pire. Et puis j'aime beaucoup aussi ce que j'ai pu pondre pour la version Dragon. Dragon, je trouve là aussi il y a une énergie de fou, elle donne vraiment envie de, alors pas de danser, mais plutôt de partir à la bataille.
je suis très content de ces morceaux-là, mais en général, je suis content de tous. Et donc, bah, voilà, je vous propose maintenant d'aller dans le vif du sujet, de rentrer un petit peu dans la partition et regarder un petit peu comment j'ai atteint ce résultat. J'espère que ça va vous intéresser et j'espère pas être trop long non plus. Bon, dans Le Seigneur des Anneaux, les principales caractéristiques, ça a été évidemment cette musique très étirée, des notes longues, hein, des rythmes très lents. Et puis après, ça va être l'instrumentation et l'harmonie. Alors, dans l'instrumentation, vous avez peut-être entendu des tam-tams. Là, par exemple, voilà, tam-tam, vous savez, c'est une espèce de grand disque de métal qu'on frappe, ça fait... Attends, je le fais entendre seul. Ça, c'est souvent dans Le Seigneur des Anneaux. On a aussi l'harmonie, bien sûr. Alors, on entend bien au début, par exemple, les accords un petit peu qui sont hors tonalité. Ou là, alors, par exemple. On en a d'autres vers la fin, là. Un écart de sixte, là. Alors, il y a un autre passage hyper typique aussi, c'est celui avec des espèces d'accumulations de dissonances, des notes qui se superposent les unes après les autres en s'additionnant au fur et à mesure. Sur la partition, ça donne ça. Donc là, on a une première note tenue, une ronde par-dessus, là, on a une blanche pointée qui s'ajoute, et puis après, on a là, hop là, une autre note qui s'ajoute. Et ça, plusieurs fois, ça crée une montée en tension dramatique, et ça collait parfaitement, je trouve, sur le moment juste avant la rencontre des armées. Voilà, je trouve que ça le fait. Ensuite, on a quoi ? Alors, ce moment, c'est vrai qu'il est pas top, ce moment-là, clairement. Mais bon, Zef. Voilà, bon, c'est tout pour Le Seigneur des Anneaux. Bon, c'est pas très technique, mais en même temps, ça a pas été la plus compliquée à faire, parce qu'il y avait... Il y a très peu à composer. Il y a moins de notes que les autres, parce que c'est un tempo plus lent, il y a des notes... Oh là, tire lent. Il y a des notes plus lentes, enfin plus longues, en tout cas, donc bon, c'était moins galère, moins technique, mais bon, ça le fait quand même, ça fait un peu Seigneur des Anneaux, bon, c'était le but.